Cet exercice effectué par un maître et son jeune disciple est appelé Ditang. Il s'agit d'un exercice de combat au sol où les phases dynamiques alternent avec les phases de tranquillité. C'est précisément le contraste entre la libération de l'énergie explosive et la position assise qui mène à la paix intérieure. Le contraste entre l'action et le repos est la base du Kung Fu et vous guide sur le chemin du zen. La compréhension que les contraires sont interdépendants, que la vie est imprégnée de ses polarités, est le principe du yin et du yang. Maintenir l'équilibre entre le yin et le yang est l'un des principaux objectifs des moines, mais c'est aussi un objectif que vous devez vous efforcer d'atteindre dans tous les domaines de la vie. Car les contraires sont en nous, et parvenir à l'équilibre des forces internes et externes sont les secrets de la santé et de la plénitude. Selon la perception du peuple chinois, une fois le cosmos formé, le ciel, la terre, les hommes et la nature constituaient un tout. Cette unité fut brisée par un gigantesque événement cosmique. Dès lors, nous, les êtres humains, sommes à la recherche de la réunification avec cet univers dont nous avons été séparés, de la reconstitution des liens entre le micro et le macrocosme tels qu'ils existaient à l'origine. Cette quête du chemin, les Chinois l'appellent Tao. Le yin et le yang représentent les pôles opposés de l'univers et de la vie, force et faiblesse. Action et inaction, bien et mal, santé et maladie. Chacune de ces paires terminologiques sont inséparables et s'influencent mutuellement. Quand le yang